bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais très bien, je vous ai manqué, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un mois et demi. Bah, je suis influenceuse, donc oui, je mets tout sur mes réseaux, mais c'est pas pour ça que je n'ai pas un cœur, ce n'est pas pour ça que je ne suis pas sensible sur certaines choses. Donc du coup, j'avais besoin de faire le point sur moi-même et j'avais besoin de prendre un peu de recul et de temps pour moi. Donc voilà, j'avais besoin en fait d'un peu m'éloigner de tout ça pour revenir en force et encore plus belle. Donc oui, c'est bien moi, j'ai changé encore. J'ai des extensions à cheveux que j'ai achetées sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs, je les adore. Ils sont magnifiques, ils sont super doux et j'ai pris du 26 pouces. En parlant de ça, j'ai un petit code promo pour vous que je vous mettrai là parce que je connais pas le nom. Ils ont pas mis Cali quelque chose, mais ils ont mis des lettres et des chiffres, donc je ne le connais pas par cœur. Donc du coup, en fait, le code promo, c'est que pour les nouveaux utilisateurs de AliExpress. Donc du coup, c'est que pour ceux qui créent un nouveau compte. Et ensuite, c'est un code qui est valable sur tous les articles AliExpress, pardon. Et ensuite, c'est vous avez moins 5 euros, donc vous avez une remise de 5 euros sur un achat de minimum 10 euros. Voilà, donc c'est hors frais de port. Donc les frais de port ne comptent absolument pas dedans. Donc bien sûr, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler de la nouvelle collection de Morphe. Je suis très contente parce que j'ai pu collaborer donc avec Paris XL et Paris XL ont reçu la nouvelle collection de Morphe et en fait j'ai eu la chance d'avoir la box, donc il y avait 25 box qui étaient envoyées dans toute la Belgique et je fais partie des influenceurs qui ont reçu la box, donc du coup je vais vous la présenter. Je n'ai pas encore testé sauf le rouge à lèvres, je vais pas vous mentir parce qu'il est trop magnifique, il est magnifique, amazing, magnifique. Donc du coup j'ai testé, mais sinon la palette je l'ai pas testée. En plus c'est vraiment des couleurs pour l'automne, donc du coup c'est vraiment parfait. En même temps s'ils sortent une palette maintenant, c'est pas pour faire des couleurs pour l'été, comme Calistin, comme une manconne. Moi j'ai déjà fait mon teint, j'ai utilisé le Fenty Beauty, j'ai utilisé la teinte, attendez je vais regarder ça tout de suite. Alors j'ai utilisé le Fenty Beauty Pro Filter Soft Matte. Moi, l'anglais, ça fait 4, vous savez très bien. Je n'ai pas changé sur ça, malheureusement. Et c'est la teinte 160. Et l'anti-cerne, j'ai utilisé le Fenty Beauty aussi Pro Filter. Et c'est la teinte 150. Donc, une teinte en dessous. Donc, voilà. Comme ça, vous savez déjà ce que j'ai mis. J'ai préféré déjà faire le teint parce que je ne vais pas faire le teint aujourd'hui. Je vais juste faire les yeux et la bouche parce que j'ai reçu que pour faire les yeux et la bouche. Du coup, la palette. Alors, en fait, ils m'ont aussi envoyé une carte écrite en anglais. Donc, du coup, je ne comprends absolument rien à part les make-up artistes, ça j'ai compris. La marque, je comprends aussi, mais sinon, le reste, je ne comprends pas ce qu'il y a de marqué. Donc, du coup, voilà, je suppose que c'est une présentation pour la marque, une présentation des produits que j'ai reçus. Donc, du coup, voilà, donc la palette se présente comme ceci. Donc, c'est la palette Blend the Rule. Donc le Brenzel Rule pour les Français et les Belges. Et les couleurs sont just amazing. Donc juste magnifiques. On est d'accord qu'elles sont vraiment mais magnifiques. Voilà, vraiment, j'ai vraiment hâte de vous montrer la pigmentation sur moi. Mais je sais pas encore ce que je vais faire comme maquillage. Donc je pense que je vais aller en fait sur des tons qui sont orangés et bruns pour la paupière mobile. Et pourquoi pas, en bas, pour vraiment faire bien automne, aller sur des verres. Donc voilà, je sais pas si ça va vous plaire, de toute façon, on verra le rendu ensemble. J'ai ensuite reçu un baume fixatrice, donc du coup, c'est un baume qui va vraiment fixer le maquillage. Et ça, on va le mettre à la fin du maquillage. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de tester aussi, elle est vraiment bien. J'ai reçu un petit kit rouge à lèvres, donc avec le crayon, avec le rouge à lèvres et le gloss. Donc du coup, par contre, les packaging sont juste magnifiques. Ils sont juste magnifiques, on dirait des petits cristaux. Enfin, je sais pas si ça m'a fait penser à ça quand j'ai ouvert. Vous voyez, c'est un peu genre... je sais pas. Donc ça, c'est le gloss. Ça, c'est le rouge à lèvres. Comme ça. Et ça, c'est le crayon pour le contour des lèvres. Pour vraiment faire un effet vraiment volumineux. Parce que le crayon est un peu plus foncé que le rouge à lèvres. Et le gloss, c'est la même teinte que le rouge à lèvres. Donc, du coup, c'est vraiment trop, trop bien. J'ai, bien évidemment, comme toute influenceuse qui se respecte, reçu les pinceaux. Regardez comment ils sont magnifiques, les pinceaux. Je sais pas si vous voyez bien que la mise au point. Vraiment, c'est trop, trop bien. J'adore. Donc, j'ai reçu un pinceau, que des pinceaux blend, en fait. Un pinceau blend,
Un petit pinceau blend aussi. Vraiment, ça c'est vraiment pour les petits creux comme ça. J'ai reçu, à mon avis, j'ai reçu un pinceau plat. Vraiment trop fort. J'ai vraiment reçu un pinceau plat. Donc un pinceau plat. Et un petit pinceau biseauté pour les coins. Donc si on veut faire genre un petit trait d'eyeliner avec un plus foncé pour vraiment structurer le regard. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai reçu. Et ben, on va commencer au maquillage. Alors bien évidemment, j'ai reçu aussi, j'ai oublié de vous dire, la base à paupières. Donc en fait, une base à paupières, ça sert à quoi? Ça sert en fait à que le pigment du fard tienne mieux et aussi soit beaucoup plus intense. Donc du coup, c'est vraiment pour fixer la base. C'est pour fixer tout ce qui est fard à paupières. Donc voilà, donc, je l'ai reçu, j'ai oublié de vous le présenter. Et ça, c'est ce qu'on va mettre maintenant. Mais avant, je vais attacher mes cheveux, parce que sinon, ça va venir sur mon visage, ça va m'énerver. Donc du coup, on va commencer par mettre la base à paupières. Je vais mettre 4 petits points et on va étaler avec un pinceau. Par contre, dehors, il fait vraiment magnifique, mais vraiment sublime. Il drache comme pas possible. Vraiment comme pas possible. Heureusement que je dois pas faire des courses aujourd'hui parce qu'avec mes extensions, je sors avec mes cheveux lisses, je reviens, on dirait une chienne. Une chienne, un caniche, c'est pas possible, c'est vraiment horrible. Et ça, je ne supporte pas. Donc voilà, donc sinon, dites-moi en commentaire si vous passez un bon confinement. De toute façon, c'est confinement, donc vous n'avez pas le choix de me regarder. Comme ça vous passera le temps. Et bien sûr, je vais essayer de faire des vidéos toutes les semaines. De toute façon, là, j'ai le temps. On peut rien dire, j'ai le temps. Il faut juste que je trouve des sujets. Et aussi, je vais vous parler également de la suite de ma transition, parce que finalement, ça a évolué. Hein. Donc, du coup, je sais pas avec quel fard commencer. Donc, du coup, on va commencer par cette couleur-là, parce que la palette est immense, je vois pas. C'est un peu chiant, hein. La palette, elle fait la taille de ma maison, quoi. Donc je vais commencer par cette couleur-là. Il s'appelle le Place Cool. Et je vais prendre le gros pinceau estompeur. Oh là là. Et on va faire tout le contour du creux de la paupière mobile. Putain, le pinceau est génial. En plus, Morphe, c'est vraiment une marque que j'adore. J'ai pas eu l'occasion de la tester beaucoup de fois dans ma vie. Mais quand j'ai reçu l'email de Paris XL concernant la collaboration, je n'ai pas pu dire non. Hein. Le pire, c'est qu'en plus, j'avais reçu un email plusieurs fois, j'en ai reçu 4 de Paris XL. Et au début, je pensais que c'était quelque chose de fake. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, quand on a des emails, on ne sait pas toujours si c'est vrai, si c'est faux. Et en fait, dû à la notation de l'email, c'est marqué Paris XL avec des petites bouches et des petites lèvres. Donc je me dis, c'est pas possible, c'est pas Paris XL qui m'a écrit. Donc du coup, je n'ai jamais ouvert l'email. Et bien franchement, j'aurais dû. J'aurais dû le faire plus tôt. Donc un conseil, regardez bien tous vos emails et surtout lisez bien tout. Lisez bien tout et si vous n'êtes pas sûr, renvoyez un email pour avoir des autres explications. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et bien évidemment, c'était bien réel. Donc du coup, je passais à côté d'une occasion et heureusement que voilà quoi. Donc du coup, je remets plusieurs couches pour déjà la couleur et la pigmentation est top, on le voit bien. Hein. C'est magnifique. Et donc du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Le pigment s'accroche directement à la base. On est trop satisfaite des couleurs et tout. Enfin, j'en ai essayé qu'une, on va dire. Mais moi, je suis vite satisfaite. Hein. Tu me donnes un verre avec de l'eau, je suis contente. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va un peu frotter sur un petit coton pour enlever de la matière. Mais il restera légèrement un petit pigment. Et ce qu'on va faire, c'est tirer le contour pour faire cet effet genre de dégradé. Les effets démarcation, c'est vraiment pas beau. Donc, du coup, on va tirer la matière. Voilà. Une fois que c'est fait, donc ce qu'on va faire, on va prendre la couleur juste en dessous. Attendez, je vois. Je vois encore pas où elles sont. Je vais prendre cette couleur-là et je vais les mettre sous le creux de ma paupière mobile externe. Donc là, vraiment pour accentuer ce coin externe de l'œil. Mais légèrement, hein. Vous voyez que ça fonce légèrement un peu. Vraiment, elle est tout doux pour pas trop mettre de pigments parce que déjà c'est fort pigmenté. Et vous voyez, ça fait vraiment un petit dégradé, vous voyez. Et puis on estompe avec le pinceau, bien évidemment. Alors il faut toujours estomper, estomper, estomper et bien prendre son temps. Ne pas aller trop vite, ça ne sert à rien. Toujours estomper. Et si vous avez vraiment un effet barre légèrement, ce que vous faites, vous prenez un peu de matière que vous avez utilisée avant pour commencer, donc votre base. Vous remettez par-dessus légèrement comme ça. Et ça va vraiment flouter en fait. Ensuite, on prend un pinceau avec aucune matière dessus et on va encore étirer. Vraiment pour étirer. Une fois que c'est fait, nous allons faire notre cuticle. Donc du coup, je prends l'anticerne. C'est un anticerne de chez NYX que j'utilise toujours pour faire mon premier cuticle. Par contre, je pense que j'en ai plus.
n'a pas l'air d'en avoir encore beaucoup, hein. Et je prends un pinceau plat pour l'utiliser. Et nous allons cutter. On fait pareil de l'autre côté. Je me plains, j'en ai plus, mais j'ai encore tout ça comme matière. Oh, j'en ai trop mis, hein, bah oui. Et évidemment, j'en ai mis aussi en dessous de mon œil. Génial, Christa. Voilà. Et ce qu'on va faire, avec ton doigt, tu vas flouter juste là. Par contre, quand t'as des ongles, c'est pas évident. Surtout qu'ils sont pas petits. Mais oui, je peux plus aller chez l'esthéticienne. Voilà. Là, on va miser la couleur. On va mettre plein de couleurs. Et là, on va utiliser une couleur flash. Et j'ai envie de mettre du orange. Et avec l'orange, je vais remplir, bien évidemment, tout le club quiz. Oh, la pigmentation est juste magnifique. Hein. Amazing! Par contre, pour le cut, faut vraiment faire tout doucement. Car si vous allez trop vite, en fait, la délimitation va s'estomper avec votre pinceau. Et ça va vraiment être moche. Ça va pas être droit, pas net, et j'aime pas. C'est un conseil. Hein. Après, si vous faites tout ce que vous voulez, le but, c'est que ce soit propre. Vous comprenez maintenant les hommes, quoi, les femmes se maquillent, qu'elles prennent 4 ans dans la salle de bain pour vous séduire et faire des beaux trucs. Ben voilà, c'est à cause de ça. Les femmes aiment bien quand tout est parfait, les cheveux, les ongles. Donc, bien évidemment, ça prend du temps. Évidemment, les hommes comprennent pas parce que eux, quand ils sortent de la salle de bain, ils prennent genre 2 secondes pour se laver, 3 secondes pour s'essuyer, hop hop hop, un peu de gel, un peu de déo et c'est bon, ils sont prêts. Que nous non. Il y a tout un rituel. La crème corporelle, la crème de jour, la crème anti-rides, le make-up, la précision pour que tout soit beau. Donc voilà, faut arrêter de râler. Les cheveux, prend du temps ça les cheveux, hein, cher homme. Donc voilà, il faut un peu laisser votre femme vous laisser séduire. Donc arrêtez de râler. Bref, après, ce n'est pas le sujet. Après, on va se lancer dans un débat à ne plus en finir. Parce que les hommes, chaque fois, ils râlent pour tout. Parce qu'on prend du temps, mais voilà, on essaie juste de vous faire des beaux trucs, quoi. En plus, chaque fois que quand je dois aller quelque part, chaque fois, donc mettre mon réveil beaucoup plus tôt pour être bien sûr apprêté. Parce que bien évidemment, je prends du temps à m'apprêter. Et chaque fois, mes amis me disent qu'il y a juste à ta bus, te réveiller à telle heure pour faire ça. Ben, je dis, écoute, voilà, moi, je fais les choses bien. C'est pour sortir et avoir un défaut ou je sais pas quoi. Non merci quoi. Je préfère être bien partout. Pour moi-même, c'est pas pour les autres, c'est juste pour moi-même. J'aime bien être apprêté parfaitement bien. Après si je vais faire les courses, faut pas abuser non plus, mais en général, si je vais aller quelque part, un événement, ou si je suis invité quelque part, j'ai un ami ou quoi que ce soit, j'aime toujours bien être apprêté quoi. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le petit pinceau qu'on a pris au début. Et on va reprendre de la matière, donc la même matière qu'on a appris pour faire la délimitation foncée. Et on va bien évidemment flouter avec le cut pour que ça fasse un effet de dégradé. Et pour illuminer le coin interne de l'œil, donc ce qu'on va mettre, le fard orange aussi, mais avec les paillettes, donc celui-ci. Oh mon dieu, elles ont l'air magnifiques par contre. Oh, waouh, elles sont magnifiques. Une fois que c'est fait, nous allons faire le ras de cils inférieur, donc inférieur, supérieur. Et on va prendre les mêmes couleurs qu'on a utilisées pour faire donc, la base de l'œil avec les deux brins. Donc du coup, je vais reprendre ce petit pinceau, donc celui-là, et nous allons faire la même chose. Donc du coup, je vais prendre celui-là, que je vais mettre au coin externe du ras de cils inférieur, donc là. Vu qu'on a mis du foncé là, on va reprendre le foncé. Et nous allons faire pareil de l'autre côté. Et ensuite, nous allons prendre le gros pinceau estompeur. Et on va prendre l'autre couleur. Légèrement, on tapote. Légèrement, aller flouter la matière. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Une couleur estompée et dégradée, c'est toujours plus beau qu'une couleur quand c'est vraiment, bam, démarcation, horrible. Et là, j'ai envie de mettre du vert. Donc du coup, je vais utiliser un pinceau. Donc voilà, donc je vais essayer la couleur verte qui est là. On va commencer par le vert foncé. Et ensuite, on ira flouter avec le vert clair. Donc voilà, on va commencer. Donc on prend un petit peu de matière. On tapote. C'est toujours la même chose. Ah, j'adore la pigmentation. C'est vraiment un make-up pour l'automne. Avec l'orange, c'est le feuillage des arbres qui tombent. Le vert, c'est un peu la verdure sous les troncs d'arbres. Et bien évidemment, le tronc qui est autour de mon œil. Donc voilà, c'est vraiment très très joli. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour déjà maintenant. Bien évidemment, le make-up n'est pas fini. Pour la fois que c'est fait, on va estomper la matière sur son bras. On s'en tape. Et nous allons faire en dessous avec le plus clair. Légèrement. Voilà, en dessous avec le plus clair. Et puis nous allons estomper avec un pinceau sans matière dessus.
Et voilà, donc du coup, maintenant, je vais faire mon contouring. Et ça, je reviens tout de suite parce que, en fait, le maquillage que j'ai fait maintenant, c'est que des produits Morphe. Donc du coup, je vous ferai une vidéo pour montrer comment je fais mon teint complet, même si je l'ai déjà fait auparavant. Mais bon, avec des nouveaux produits, etc., on sera toujours aussi bien. Donc du coup, là, je vais finir mes yeux. Donc, je vais mettre mes faux cils. Je vais juste faire mon contouring. Et ensuite, on passe aux lèvres. À tout de suite. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, donc j'ai fait mon contouring, j'ai mis la lighter, j'ai fini mes yeux, donc du coup j'ai juste mis des faux cils et du mascara. Et j'ai bien évidemment brossé mes sourcils, donc je les ai pas dessinés, je les dessine presque plus maintenant. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on va utiliser le produit pour les lèvres que j'ai trop hâte de tester avec vous, même si j'ai déjà testé, donc je connais déjà le rendu. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien mes yeux. En tout cas, moi j'adore la finition, j'adore la pigmentation, je suis très satisfaite. Bon, j'ai mal collé mes faux cils. Donc je disais que maintenant nous allons faire nos lèvres et on va commencer avec le crayon. Et nous allons faire le contour de nos lèvres. Vraiment faire un effet vraiment grosse bouche. Il faut toujours mettre du plus foncé au niveau. Oh! C'est une blague! Ah, ça valait rien. Pour faire un effet grosse bouche, en fait, il faut faire un effet d'optique. Et ce qu'il faut faire, c'est délimiter vos lèvres avec un crayon plus foncé et remplir l'intérieur avec un gloss ou un rouge à lèvres plus clair. Mais c'est toujours un ton au-dessus, voire deux tons au-dessus au niveau du crayon, pas plus, parce que sinon ça se voit trop. Et essayez d'aller dans les mêmes nuances. Et si tu mets du brun, tu mets pas du rouge, c'est ce que je veux dire. Maintenant, nous allons estomper les marques. Voilà, et maintenant, nous allons mettre le beau rouge à lèvres de chez Morphe. Nude Clair. Alors très crémeux, vraiment j'adore. Il colle pas, il est vraiment top. Et il ne sent même pas, il n'a pas d'odeur. Mais oui, ça fait un effet dégradé. Voilà. J'adore, j'adore et j'adore. Et je re-adore. Et ensuite on va mettre du gloss. Ça fond vraiment tout, tout, tout. C'est canon. Vraiment un effet très pulpeux. C'est très très beau. Donc voilà, j'ai été botoxé. Voilà, je fais beaucoup de botox en milieu. C'est très gros. C'est très gros. Les amis, donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire du make-up. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à donner tous vos points négatifs, positifs. Si vous connaissez la marque Morphe, si vous avez déjà testé la marque Morphe, quel produit vous avez plus apprécié dans ce que je vous ai présenté. En soi, la vidéo est terminée, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage pour me faire plaisir. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de vidéo, donc du coup, il faut remonter tout ça. Donc du coup, voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bye!